Alors là, on est sur un concept un peu particulier, c'est le trampoline, le petit trampoline et non pas les grands trampolines qu'on avait quand on était enfant. Ouais, ouais. C'est quoi la différence ? Alors la différence, ça n'est... c'est surtout, en fait, vous avez non pas des ressorts, comme vous trouvez partout dans les grands jardins, dans les jardins, mais des élastiques individuels. D'accord. Et ça, ça a été inventé par Bellicon. D'accord. Voilà, et en fait, ce système d'élastique individuel permet de protéger le dos et les articulations. Vous êtes tout en douceur sur les élastiques. D'accord. Alors que les ressorts vont venir faire des chocs, vont venir taper. D'accord. Donc vous amusez, vous faites du bien à votre corps, en fait, en protégeant votre corps. Alors pourquoi est-ce qu'il y a... Moi, j'ai lu dans pas mal de blogs de bien-être et de livres aussi qu'il fallait faire entre 5 et 10 minutes de trampoline par jour. Minimum. C'est pour la lymphe ? Alors, notamment, alors minimum 10 minutes hein, pour que vous ayez les effets. Effectivement, la lymphe est extrêmement activée du fait des exercices en amplitude musculaire. Je peux vous dire qu'on se gaine carrément. On se gaine carrément ? Ah oui, ouais, 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 ah, ouais. Oui. Toute la partie inférieure du corps, c'est génial. Hein. Les abdos, les 10 minutes. Après, de toute façon, vous aurez envie d'en faire plus. Donc, au début, vous commencez par 10 minutes, bien sûr. C'est tellement ludique. Vous n'allez pas me dire que c'est ce qu'il faut pour commencer le sport ? Alors chacun, c'est ça qui est génial, c'est que ça va pour les petits, pour les grands, aucune condition physique, une grande condition physique. En fait, vous avez énormément de vidéos à disposition qui font que vous avez des exercices adaptés à votre santé, votre bien-être, etc. Parce que c'est pas fait uniquement pour le trampoline, on peut faire d'autres exercices dessus en fait. Alors, si on fait que sauter dessus, on va s'embêter. Oui. Hein, on est d'accord. Donc, oui. En fait, on a mis au point des vidéos qui vous montrent des exercices avec les pieds, les bras, chorégraphie, lent, fitness. Vous pouvez même travailler en position assise, allongée, utiliser le Bellicon pour faire des pompes. Enfin, voilà, vous avez une multitude, en fait, d'exercices amuser. Le mieux, peut-être, c'est que j'essaye, en fait. Oui, il faut, bien sûr. Il faut que j'enlève mes chaussures, en fait. Allez, on échange. Hein. Ouais, vous allez me... voilà. Ouais. Alors, je vous laisse avec Armelle. Hein. Elle est spécialiste en la matière. Voilà. Moi, j'enlève mes chaussures pendant ce temps. Vous pouvez partager ce périscope. De toute façon, je la mettrai sur la page Facebook. Voilà, attention, c'est la première fois que je vais essayer de faire du trampoline. J'en ai pas fait depuis l'âge de mes 11 ans, 12 ans à peu près. Hein, donc on va s'amuser. Pied largeur de bassin. Comme ça. Toujours droit. D'accord. Ok. Alors je vais focaliser sur les pieds là. Ah oui. D'accord. Alors Laurence est en train de faire de la corde à sauter sur un trampoline. Alors déjà que c'est pas simple. En règle générale sans trampoline, mais alors là avec un trampoline c'est quand même pas mal. Alors vous faites ça tous les matins ? Tous les matins. 5-10 minutes. Voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie, là, au-delà d'être démonstratrice? J'imagine que le produit, vous l'utilisez assez souvent. Et qu'est-ce que ça a changé, quoi? Moi, en tant que... Je vois que j'ai chaud. Ouais, on a chaud. Pour moi, ça a changé par rapport... Bon, j'avais énormément de cellulite. Ouais. Donc, le fait de drainer la lymphe. D'accord. J'étais super contente en 6 mois. J'ai quasiment plus de cellulite. D'accord. Après, c'est un bien-être mental. Oui. J'ai l'impression de retrouver un peu mon âme d'enfant. D'accord. Et ça, c'est le top. Je pars au boulot, dans une autre énergie. Alors, je vois qu'il y a plusieurs sortes, en fait. C'est bon. On me demande si c'est bon pour les abdos aussi, en fait. Tout à fait. C'est bon pour les. Oui. Très bien. C'est bon. Fait, quand vous êtes sur le trampoline, vous utilisez tous vos muscles. Ah. Voilà. Donc, même quand vous êtes assis sur le trampoline, regardez, je vais vous faire ça. Vous n'êtes pas sur une base dure. Ouais. Donc, on est obligé d'être en équilibre. Vous voyez, si je suis en équilibre, je suis obligée de chercher mon équilibre. D'accord. Et en fait, quand vous travaillez tout. Donc, en fait, vous travaillez les muscles profonds. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je... Vous pouvez relever. ce que je me disais, c'est que j'ai l'impression qu'on devient un peu triste quand on est adulte parce qu'on enlève tout.
tous les jeux d'enfants, quoi. Le trampoline, on n'en fait plus quand on est adulte, par exemple, alors qu'on en fait quand on est enfant. On fait du toboggan, on fait de la balançoire, des choses comme ça. On fait bouger beaucoup notre corps, en fait, par rapport à lorsqu'on est adulte. Et quand on est adulte, on en fait plus, on n'a plus le temps, on reste assis sur une chaise. Est-ce que c'est ça le secret du bien-être? C'est peut-être de rebouger? En fait, moi, j'ai envie de dire, des fois, de revenir comme un peu un enfant. Moi, quand je suis dessus, j'ai l'impression que je suis une autre personne, que ça pétille. Ah ben, je peux vous dire que moi, j'avais l'impression de ne pas être au salon du bien-être et d'avoir une caméra à côté. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est sûr. Non, c'est vraiment un confort mental. Et je vous dis, c'est comme des petites bulles qui montent. C'est une euphorie, en fait. D'accord. Donc, c'est des étoiles. C'est, voilà. Ça, c'est pour moi, mon ressenti à moi. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs sortes, en fait. C'est quoi la différence entre chaque? C'est la taille? Vous avez la taille. Ouais. Donc le diamètre, on est sur du 112 et du 125. On me dit à quand l'installation d'un trampoline au travail? Quand vous voulez, je viens et vous fais la démonstration. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des entreprises maintenant qui mettent juste un trampoline? Alors, pour moi, j'habite à Avignon. Oui. Mais j'ai pas encore fait la démarche. Non, j'ai pas encore fait la démarche auprès d'entreprises et tout ça, mais c'est mon. Je veux dire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de redonner tout ce que je sais faire sur un trampoline, tellement que c'est accessible à tout le monde, quoi. Voilà, accessible à tout le monde. Alors, le trampoline, c'est accessible dans le sens où on peut le faire, mais est-ce que c'est accessible au niveau prix? Parce qu'au niveau prix, c'est un certain budget, j'imagine. Oui, je sais, mais je trouve que la santé, pour moi, il n'y a pas de budget. Moi, j'étais au chômage quand j'ai acheté mon premier trampoline, gagné 1 200 euros, et j'ai donné 150 euros pendant 3 mois, d'accord, plus pour mon trampoline. D'accord, parce qu'on peut le payer en plusieurs fois. Oui, on peut le payer en 3 fois. Et d'accord, franchement, ça a été un bienfait. Aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est vrai? Oui, je ne regrette pas. Parce que là, bien sûr, on peut se dire, oui, elle est vendeuse, elle est sur le stand. Vous savez, je ne suis pas là pour... C'est vrai qu'il faut vendre, mais ce que j'ai envie, c'est que les gens prennent conscience qu'on peut redevenir, même à la maison, c'est soit le faire, on peut devenir vraiment une autre personne avec ça, parce que tout est transformé à l'intérieur de son corps. Mais moi, par exemple, j'ai un petit appart, en fait, un tout petit appart, il fait même pas 30 mètres carrés. Chez ma fille, elle a 19 mètres carrés. Ah. Ce qu'elle a fait, elle a enlevé sa table basse IKEA. Ouais. Et elle a mis un trampoline 112 dans son petit, dans, ça fait chambre et séjour. Et elle a fait quoi de la table? Elle l'a enlevé, elle l'a mis dehors sur le balcon. D'accord. Et elle s'en sert pour tout, table basse. Elle mange dessus avec son plateau. Avec le trampoline? Oui, elle prend le plateau, elle le met dessus. Ah oui, mais elle fait à la japonaise alors. Ah avec oui, mais des coussins, oui, mais ça franchement. Remarque, ça peut être avoir. Il y a plusieurs avantages. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, l'excuse, me dire c'est trop petit, non. J'ai envie de vous dire, c'est faux. C'est pas une excuse. Si je me dis, où est-ce que je vais le mettre, quoi. Ça se replie aussi. Est-ce que les pieds s'enlèvent? Non, vous avez les pieds vissables, qui a un prix beaucoup plus moindre. Ouais. Et les pieds pliables, où le prix qui est bien plus élevé. Ouais, bien plus d'accord. Élevé. C'est quoi les premiers prix? Premier prix en 100 cm, c'est 370 euros. D'accord. Et pliable en pied pliable en plusieurs fois. Ouais. Et en pied pliable, c'est 439. Alors, il y a Lout qui aimerait essayer. Alors, écoute, au prochain salon Zen ou au salon Marjolaine ou des choses comme ça, tu peux aller voir éventuellement. Alors, peut-être qu'ils n'y seront pas. Vous n'y serez pas à Marjolaine. Écoutez, si vous êtes, je ne sais pas, une quinzaine de copines, je viens, je me déplace sur Avignon. Mais sur Avignon uniquement, sur Avignon. Je peux me déplacer sur Paris si vous voulez. C'est vrai? Mais non, il y a même d'autres collègues qui peuvent venir vous faire la démonstration. Et faites un groupe Facebook ou quelque chose comme ça avec des copines ou des copains qui veulent vraiment essayer et elles se déplacent. Vous imaginez? Vous allez sur ma page Facebook Laurence Spisser, vous verrez, j'ai les cheveux au carré, je suis un peu rousse et je suis assise sur un trampoline. Vous verrez, j'ai 52 ans et j'ai la super forme. Laurence Spisser, S-P-I-E-2-S-E-R. Bon, eh ben voilà. Ben merci beaucoup. Moi, je vais remettre mes chaussures. Hein, et puis, non, mais j'ai vraiment bien apprécié, quoi. Ça met vraiment en énergie, ça réoxygène. On a vraiment l'impression de redevenir un enfant parce que ça fait des années que j'ai pas fait de trampoline et on retrouve les sensations. Ouais. Franchement, à l'intérieur de son corps. Donc, la joie de vivre et tout. Et puis, c'est un moment marrant, quoi. Je veux dire, vous êtes là. Moi, vous voyez, je suis toute pétillante, quoi. Ça se voit. À 52 ans. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie.